Bonjour et bienvenue en ce lundi de la quatrième semaine du temps pascal. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Récitons le psaume 42. Rends-moi justice, ô Rends mon Dieu, Dieu. défends Défend ma, ma cause contre un peuple, un peuple sans foi. De l'homme qui, qui ruse et trahit, trahi libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse. Ma forteresse. Pourquoi, Pourquoi me, me rejeter Pourquoi vais-je assombrir, pressé par, par l'ennemi Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler ô mon âme et gémir sur moi Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce, il est mon sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il, il a, a fait, fait le ciel, ciel et la et terre. Tournons-nous vers Dieu et implorons sa miséricorde. Je, je confesse, confesse à Dieu tout-puissant, je, je reconnais devant vous, vous frères et sœurs, et sœurs que, que j'ai péché têché, en pensée, en parole, par, par action et par, et par omission. omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, je supplie la, bienheureuse la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et, et, les et, saints, et vous, vous aussi, frères et sœurs, et de prier pour moi le Seigneur, Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie, votre, votre peuple, peuple se réjouira, réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, écoutez ma prière. Que, que mon appel parvienne jusqu'à vous ressuscité d'entre les morts le Christ ne meurt plus sur lui la mort n'a plus de pouvoir alléluia seigneur ayez pitié seigneur ayez pitié seigneur ayez pitié au christ ayez pitié au christ ayez pitié au christ ayez pitié seigneur ayez pitié seigneur ayez pitié seigneur ayez pitié Seigneur Dieu, parfaite lumière des bienheureux, tu nous as donné de célébrer sur la terre les mystères de Pâques, nous t'en prions, accorde-nous la joie de ta grâce en plénitude dans les siècles éternels, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, dans les siècles des siècles. Du livre des actes des apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à partie, en disant ⁇ Tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis, et tu as mangé avec eux. ⁇ Alors Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre, en disant ⁇ J'étais dans la ville de Jaffa, en train de prier, et voici la vision que j'ai eue dans une extase, c'était un objet qui descendait. On aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins, venant du ciel, elle se posa près de moi. Fixant les yeux sur elle, je l'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait ⁇ Debout, Pierre, offre-les en sacrifice, et mange ⁇ Je répondis ⁇ Certainement pas, Seigneur ⁇ Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. Une deuxième fois, du haut du ciel, la voix répondit ⁇ Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit. Cela se produisit par trois fois, puis tout fut remonté au ciel. Et voici qu'à l'instant même, devant la maison où j'étais, survinrent trois hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les six frères qui sont ici m'ont accompagné, et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il avait vu l'ange se tenir dans sa maison et dire, Envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon surnommé Pierre celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement. Alors je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite. Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Et si Dieu leur a fait le même donc à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu en entendant ces paroles, ils se calmèrent et ils rendirent gloire à Dieu, en disant Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait l'entrée dans la vie. Parole du Seigneur, nous, nous rendons, rendons grâce à, à, Dieu. à Dieu. Mon, mon âme, âme a soif, a soif de, de Dieu, le Dieu, Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, par être face à Dieu Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie, je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme, mon âme, âme a soif de, de Dieu, Dieu, le Dieu, Dieu vivant. Alléluia, Alléluia. Je, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, le Seigneur. je connais mes brebis et, et mes brebis, brebis me, me connaissent. connaissent. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, gloire, gloire à, toi à toi Seigneur. Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole: Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé, il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu, louange, louange à, toi, à toi Seigneur, Seigneur Jésus. Jésus. En ce lundi de la quatrième semaine pascale, méditons sur les paroles de notre Sauveur Jésus-Christ, telles qu'elles sont transmises dans l'Évangile selon Jean. Dans ce passage, Jésus se présente comme le bon berger, celui qui conduit ses brebis avec amour et dévouement. Écoutons attentivement les paroles de notre Seigneur. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger, au contraire, elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Dans ses premiers versets, Jésus nous enseigne la véritable nature de la relation entre le berger et ses brebis. Il nous montre que le bon berger entre par la porte de la bergerie, symbolisant ainsi l'accès légitime et légal à son troupeau. Il est celui qui est reconnu et accepté par les brebis, celles-ci répondant à sa voix avec confiance et obéissance. De même, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à reconnaître la voix de notre Seigneur et à le suivre avec une foi inébranlable. Jésus poursuit en se présentant comme la porte des brebis, déclarant, Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Par ces mots, Jésus affirme qu'il est le seul chemin vers la vie éternelle, la seule source de salut pour tous ceux qui croient en lui. En lui, nous trouvons la sécurité, la provision et la paix dont nos âmes ont tant besoin. Ensuite, Jésus se décrit comme le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Il contraste cela avec le voleur et le brigand qui viennent seulement pour voler, tuer et détruire. Le bon berger, en revanche, offre la vie en abondance à ses brebis. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a donné sa vie pour nous, ses brebis bien-aimées, afin que nous puissions avoir la vie éternelle en lui et rappelons-nous que nous sommes ses brebis, et lui notre bon berger. Que nous reconnaissions sa voix, que nous suivions ses enseignements et que nous trouvions en lui notre refuge et notre espérance. Puissions-nous également partager cette bonne nouvelle avec ceux qui sont encore perdus, les invitant à entrer par la porte qui mène à la vie éternelle, Jésus Christ notre Seigneur. Amen. Offrons nos louanges à Dieu. À toi, à toi, toi Dieu, Dieu notre louange, nous, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Seigneur. À, à toi, Père éternel, l'anime de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, osana au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, osana au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient. Toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs, c'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang, prends-les avec tous les saints dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Dirige les tiens et conduis les justes dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce nous jour, nous garder, garder de, de, tout de tout péché. péché. Et Aie pitié de nous Seigneur, et pitié de nous. de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En, en toi Seigneur, Seigneur j'ai mis mon espérance, que je, je ne sois jamais, jamais confondu. confondu. Comme Jésus nous a enseigné et, selon son commandement, nous récitons. Notre Père, qui es aux cieux, que, que votre nom soit sanctifié, sanctifié que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonnez-nous nos offenses comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Regarde avec bonté Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par ta parole et ton enseignement. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et, et avec, avec votre, votre esprit. esprit. Bénissons le Seigneur. Nous, nous rendons, rendons grâce à, à Dieu. Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant fasse resplendir sur vous son visage, vous accorde sa bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tournons-nous vers Marie pour qu'elle intercède pour nous dans les cieux. Je, Je vous salue, salue Marie, Marie, pleine de grâce. De le Seigneur, Seigneur est avec vous. Vous, vous, vous êtes, êtes bénie, bénie entre toutes les femmes, et Jésus, Jésus le fruit de vos entrailles, est, est béni. Sainte Marie, Mère, Mère de Dieu, priez pour nous, nous pauvres pécheurs, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. mort. Amen. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance. Salut. Enfants d'Ève exilée, nous prions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, Tournez vers nous votre regard miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous, Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô Clémente, ô Miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin, afin que nous, nous soyons rendus dignes, dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force, jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Et par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, et de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons pour la conversion des pécheurs, et pour la liberté et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié, pitié de, de nous. nous. Cœur sacré de Jésus, et ayez pitié, pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, et ayez pitié, pitié de, de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Visitez notre chaîne YouTube pour plus de vidéos. N'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner et d'activer les notifications pour être informé des nouvelles vidéos. Visitez notre site web pour d'autres renseignements. Allez maintenant porter la bonne nouvelle au monde.